j'espère que vous allez bien. Je me suis pas arrêtée de la journée. Voilà, vraiment. Là, je dépose les derniers articles de la nouvelle collection à la boutique. Puisque tous les articles que vous avez vus en vidéo toute la journée seront disponibles dès ce soir à la boutique. Donc dès là dans 10 minutes. Et moi, je viens à la boutique, je vais me doucher, je vais donner à manger au petit. Je viens avec le petit, je serai à la boutique ce soir pour les nocturnes jusqu'à 23h. C'est horrible ce vélo, t'as vu? Café, attends, y'a Rekima dans ta tenue, mon amour. Café Rex, t'es en chaussette, pourquoi t'as pris ça? Parce que c'est mieux pour la régulation. Je viens de finir le sport, je suis directement allée chez les couturières récupérer ce qu'elles avaient fait dans la nuit, pendant la soirée et dans la matinée. J'ai la voiture remplie, le coffre rempli, là rempli de presque toute la collection. Bonjour, elles ont assuré. Je retourne au local. Allez, il y a bien quelqu'un. Merci. Je retourne au local. Je suis désolée, j'ai pas la ceinture, je fais ça, mais je suis dans le jus total. Je retourne au local. Je dépose ça. Il y a 10 palettes. De packaging parce que je vous avais fait des boîtes, en fait les boîtes que je vous ai mis en cadeau, en boîte cadeau payante la dernière fois, c'est des boîtes que j'avais fait pour la nouvelle collection à la base, et du coup là à chaque fois que vous commanderez de la nouvelle collection, les boîtes seront gratuites, donc surtout ne payez pas les boîtes cadeaux, c'est que pour l'ancienne collection. Bon, du coup Poupou avait beaucoup trop chaud au local. Vraiment il fait trop chaud, on n'a pas la clim. Et du coup Paul André s'occupe de réceptionner actuellement les 10 palettes. Parce que c'était plus logique que ce soit lui qui les réceptionne et moi qui garde le petit du coup parce que c'est méga lourd. Et du coup je rentre à la maison, je lui ai donné le biberon, il dort. Et là je suis actuellement en train de transférer, du coup j'en profite, les vidéos à Jade. Les dernières vidéos de la vidéo de dimanche. D'ailleurs, possible qu'on vous sorte une vidéo demain. Demain, en même temps que la première partie, en fait, demain à 10h, en même temps que la collection. Et la seconde partie, dimanche soir, parce qu'elle dure déjà 45 minutes et je ne lui ai pas envoyé la fin des vidéos. Donc, elle est très longue. Mais au moins, vous aurez tous les détails de toutes les histoires qui m'est arrivée, de toute cette collection.
suis dit que je continuerais à étiqueter même une fois la collection lancée, mais que j'allais d'abord compter les stocks pour être sûre de vous mettre les bons stocks sur le site. Sauf qu'en fait, ils n'ont respecté aucune quantité. C'est-à-dire que par exemple, ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé genre, je sais pas moi, 50 XS, et en fait, ils m'en ont envoyé genre 32. Alors rien à voir. Ou alors, ils m'ont envoyé genre 18 M, et en fait, j'en ai 17. Et en fait, j'ai 22 L. Genre, rien n'est respecté. Il y avait des... Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, je suis de plus en plus excédée, vraiment. Plus je compte, là, plus je suis excédée. C'est lunaire. Donc, je vais voir en fonction de comment j'avance. Mais du coup, ça sert à rien de vous la sortir ce soir. Je pense que soit je vous la sors demain matin... soit demain soir, soit ce soir, je sais pas. Mais je vais voir, je vais avancer du coup. Bon, je suis désolée, la collection ne sortira pas aujourd'hui. Je pense que je la sortirai demain soir, parce que j'avais pris la nounou pour cette nuit, pour pouvoir travailler. Sauf qu'en fait, la pauvre, elle s'est rendue compte qu'elle avait l'angine ce matin. Sauf qu'elle a gardé le petit hier soir, donc j'espère qu'il a rien. Mais du coup, je vais devoir le garder ce soir. Et parce que j'ai personne d'autre pour le garder. Et que j'ai peur qu'il soit malade. Donc, je pourrai pas travailler ce soir. Donc, la collection, je vais essayer qu'elle sorte demain soir. Voilà. Je suis désolée pour le retard. Il y en avait déjà bien assez. Mais je fais vraiment mon maximum. Et je vous tiens au courant.